Bonjour, nous allons vous expliquer aujourd'hui comment nettoyer les oreilles du chien. Le cérumen étant gras, vous allez avoir besoin d'un nettoyant spécifique pour chien. Le conduit du chien étant perpendiculaire, comme vous voyez sur le dessin, vous allez avoir besoin de tenir l'oreille du chien vers le haut, de manière à ce que le liquide puisse couler vers le bas. Ça vous permet également de tenir le chien le temps que le produit puisse aller au fond. Sinon, le chien se secouerait et vous n'auriez pas le temps de faire pénétrer le liquide au fond. Alors, vous avez un conduit qui est plutôt épais, cartilagineux, que vous sentez entre votre pouce et l'index. Et si vous entendez ce petit bruit, c'est que vraiment, vous vous massez au bon endroit. Une fois que vous avez massé, vous pouvez lâcher le chien qui se secoue. Et là, les cochonneries vont pouvoir aller vers l'extérieur. Ensuite, vous allez pouvoir désinfecter le pavillon avec une compresse mouillée sous le robinet d'eau, avec une solution moussante à la chlorhexidine, ce qui vous permet de laisser le pavillon propre. Et ensuite, vous allez récupérer les cochonneries que vous avez pu remonter. Ensuite, vous allez sécher avec un petit sopalin. Vous avez le droit de faire éventuellement les finitions sur ce que vous voyez au niveau du conduit avec un petit coton-tige. Pour l'apprentissage aux soins de votre chien, il est important de le récompenser afin que les soins restent un plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.